Alors les gars, aujourd'hui on va attaquer un jeu que j'ai reçu à Noël, que ma copine m'a offert, qui certes sera divertissant, mais je suis pas sûr que je vais passer un très bon moment dessus, parce que il est réputé pour être très dur. Et ce jeu, c'est Cuphead les gars. Alors ce jeu est sorti il y a très longtemps, bah j'ai grave hâte de le tester. Est-ce qu'on n'attaquerait pas ça tout de suite maintenant? Alors il était une fois, dans une contrée enchantée appelée Île Aquarelle, deux frères nommés Cuphead et Mugman, menaient une ville insouciante sous l'œil vigilant de sage Samovar. Un beau jour, malgré les nombreux avertissements du sage, les deux garçons s'éloignèrent de chez eux et s'égarèrent. C'est ainsi qu'ils entrèrent dans le casino du diable. Le diable en personne. C'était le propriétaire du casino. Je propose qu'on augmente la mise, suggéra-t-il avec un sourire carnassier. Ah ouais, il a une sale tête. Si vous gagnez la prochaine lancée, toutes les richesses de mon casino sont à vous. Mais si vous perdez, je remporte vos âmes. Marché conclu, Cuphead, avide d'argent, hocha la tête et s'empara d'aider. Par pitié, Cuphead, non, s'écria Mudman. Mais il était déjà trop tard. Deux, c'est perdu. Par ici, les âmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour payer notre dette? Par pitié, monsieur Oni, votre mère, ajouta Cuphead. J'ai peut-être une idée. Ceci est la liste de tous mes débiteurs en fuite. Rapportez-moi leurs âmes et je vous pardonnerai. Peut-être. Ah ouais, d'accord, donc on s'est juste fait bébé. Et notre but, c'est de ne pas perdre notre âme, du coup. Bon bah, c'est parti. Oh, c'est drôle, c'est une sorte de map de Mario, mais genre un peu plus monde ouvert. T'es qui, toi? Wesh, c'est quoi ces tournesols qui me... Wow, what the f... Ok, ça, ça va. Donc je peux dash avec... Mais ils sont... Mais il y en a beaucoup. Aïe, aïe. Mais attends, mais il y en a combien, des ennemis? Mais ça va dans tous les sens. Mais à l'aide! Attends, mais c'est très dur! Ah ouais, non, en fait, c'est de la merde. What? Mais arrêtez de me poursuivre! Mais je leur dois de l'argent! C'est l'heure du fumer du jaune. Abattre l'ennemi. Champignon de merde. Elle veut quoi, l'espèce de fleur là? Attends, mais... Oh! Ok, c'est bon. Ok, ensuite, on recule. En fait, il faut juste prendre son temps. C'est juste ça là. Aïe! Non mais attends, mais je vais sauter sur la tête, dans tous les autres jeux je le tue comme ça. Aïe. Presque la moitié. C'est que le niveau 1, c'est quoi cette merde? Sale jaune. Ok, c'est bon, là on est pas mal. Merde, non, j'ai pas fait exprès. Mais c'est un missile à tête chercheuse le truc. Mais aïe. C'est quoi cette merde? C'est quoi? Non, j'étais presque. Ah non, mais à ce stade là je donne mon âme au diable en fait. Ok, nickel. Alors peut-être... Nique ta mère! Ok. Ok, là c'est la feinte. Là il mourra pas. Ensuite, là il mourra pas non plus. Alors peut-être qu'il mourra en fait. Ok, c'est juste un pattern. Non. Non! 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 Oh mon dieu, la chance! Panique pas. Oh mon frère, c'était dur là. On est d'accord, il y a eu zéro mort, hein, du premier coup. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Aïe! Oh! Ah oui, d'accord. Oh mais il me met des coups de boule, mais c'est Zidane le monstre! Utilise l'arme. Attends, il faut que je change d'arme avec elle. Donc là, j'ai le fusil à pompe là, c'est ça? Ah oui, c'est pas mal. Ah non, je voulais dash. Non, mais sérieux. Ok, là, c'est pas mal. C'est qu'une boule bleue. Là, c'est le quatrième. Là c'est le cinquième. Là c'est le... Mais pourquoi t'atterris là, bâtard? Oh non. Nine. Ces sauts sont archi imprévisibles, des fois ils sautent super loin, je trouve. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh. Ok, il a des gants de boxe maintenant, d'accord. Donc ok, à partir du premier tiers, il a un gant de boxe. C'est pas mal là ce que j'ai lâché. Non. Presque les deux tiers. 20 morts, c'est rien, 20 morts. C'est bon, je l'ai eu. Pouah. Mais il y a écrit RIP. Non, mais je me suis laissé avoir. Pour moi, il y a écrit RIP, il est mort. Non, mais d'accord, il y a trois phases, mais ça se fait pas d'écrire RIP. Ok, donc là, c'est lorsqu'il se transforme. Troisième phase. Faut juste esquiver lorsqu'il veut me tomber dessus. Il est assez prévisible, en vrai. Ok, c'est presque. Nice, allez, encore quelques coups. Putain, mais c'est long de le buter, dis donc. Ah, c'est la tête qu'il faut toucher. Oh, d'accord, c'est bon. Ah, il y a une notion de faiblesse, va aller taper la tête. Premier boss de battu, les gars. Mais c'est giga dur comme jeu. Allez, plan de l'avion, c'est parti. Oh, elle est dure, celle-ci. Ah, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est un boss. Oh non.
What? Attends, il y a 5 phases. Qu'est-ce que c'est que ça? Par pitié, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que... Elle va me lâcher un Kamehameha là, on est d'accord. Ok, c'est bon, là elle va débarquer en mode full. Quoi? Deuxième mort du live. Oh nope. Oh non. Non, j'ai gâché l'ulti. Oh, j'ai gâché l'ulti à 5 points. Alors je vais t'exploser, sale pute, va. Wa. C'est quoi ce merdier? Non. Presque. C'est vraiment juste alterner entre le petit avion et le grand avion, quoi. Ton épicant de merde, je te le fous dans le nez, ton nez, là. Cyrano de Bergerac, va. De lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot saut. Regardez, donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais essayer de passer en haut en bas. Et en fait le but c'est vraiment de tuer les petits avions violets avant. Parce que c'est vraiment eux qui rajoutent plus de difficultés. Parce que ça fait tellement plus de cibles à gérer. Et aussi il faut regarder si les boules ne deviennent pas violets. Parce que ça permettrait d'esquiver ça. Et là je suis déjà... Ouais Henri, faut que tu nous parles pendant que tu joues. On s'ennuie. Bah regardez, bah quand je parle je me fais défoncer. C'est de votre faute, vous êtes au courant. Je vous aime pas. Vous êtes désagréable. Pas trop dans la merde pour l'instant, ça va. Allez, dans sa gueule maintenant. Boum! Il est temps de passer à la dernière phase là. Ok, elle passe. C'est la dernière phase, les gars. J'ai encore 3 vies, on est à la dernière phase. Allez. Non, non, c'est chaud. Allez. Yes! Let's go! Dans ta gueule! Oh, enfin, en fait, le truc, c'est que ça arrive tellement soudainement. Oui. 15 morts pour ce boss. Bon, bah, ça va. Voir. On va enfin pouvoir refaire un niveau standard. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ces coccinelles? Woody Woodbaker? Oh, c'est quoi ce niveau de zinzin? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Oh, mais c'est Gargamel! Ces arbres là! 50 morts, félicitations! Attends, mais je suis mort de quoi? C'est pas le vide là, rassure-moi! Normalement je retombe en bas! Mais ça devient le vide du coup, mais c'est archi-cheaté! Non, merde! Presque! Allez, chat, on y croive. J'ai besoin de savoir il y a combien de croiveurs dans le chat. Ok, très bien, monsieur. Ok, allez, on prend son temps, oui. C'est quoi cette merde? Oh, c'est un boss? Non, mais vas-y, mais... Oh non, il venait de mourir, non! Normalement, l'attaque, elle compte plus, là, quand il vient de crever comme ça. Ça se fait pas. Oh voilà, regardez, il est mort! Vous voyez, il est mort! Je fais comment maintenant? Comme ça? Let's go! Voilà! Je vous avais dit que 80ème mort, c'était la bonne! Alors, c'est quoi la méca de se battre? C'est à la tête, du coup? Wouah! C'est Monsieur Burns sans fleurs? Attends, qu'est-ce que. C'est des mines? Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ah ouais, putain, j'étais vraiment loin et pourtant j'avais l'impression de l'avoir maravé sa gueule, hein! Non, c'est trop dur. C'est giga dur. 85ème mort. Allez, les gars. Juste que j'esquive ces mines-là. Oh, putain, la bleue. C'est beau, ça, ce que j'en ai fait. Vas-y, mais. C'est bon, j'ai atteint le 3ème stade. Mais putain, c'est quoi cette nouvelle attaque encore? C'est des racines. Juste envie de terminer ce boss-là. Là. Allez, c'est le dernier. Oh, yes. Oh, c'était bien, ça. Ok, là, c'est les racines, là. What the fuck? En fait, j'avais pas compris la dernière fois que j'ai passé aux 3/4 qu'il y avait qu'il y avait ces histoires de racines et qu'ils pouvaient cracher par-dessus aussi. Donc là, faut prendre ses distances en fait. C'est pas grave. En fait, faut juste que je me serve plus souvent de mon dodge en fait. Let's go dans ta gueule! Let's go! Je savais qu'on allait le faire là! C'est parce qu'on a croivé. Ça, c'est parce que vous avez croivé, les gars. Sans votre croivance, on n'aurait pas réussi. Merci beaucoup aux croiveurs du chat, les amis. Tu l'as éclaté, ce vieux pissenlit. Yes, let's go! Y'a même ma meuf sur le chat, les gars! Pissenlit de merde! Bon, les gars, après. 105 morts. Et je sais pas combien de tentatives. Un breakdown mental, presque. Je pense que on a eu notre dose de Cuphead pour aujourd'hui, hein. Honnêtement, je peux comprendre que le jeu est très addictif. Y'a une partie d'ego qui rentre en jeu. Et c'est une spirale, hein. C'est une fois que t'es rentré dedans, t'as envie de battre le boss, ne serait-ce que pour lui prouver que t'étais meilleur. Et ce qu'il faut retenir de ce stream, c'est que cette fleur, c'est une pute. En tout cas, j'espère que le stream vous a plu. J'espère que la vidéo, pour ceux qui regarderont ça sur YouTube, vous a plu. Et comme d'hab, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!